Salut tout le monde les amis, c'est Max5336 et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3. Ça fait un petit moment que j'avais plus fait de Call of Duty Modern Warfare 3. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale. Alors avant vite fait, je voulais juste dire qu'avant j'avais testé une tentative nucléaire. Mais ça a été impossible pour moi parce que je vous jure que j'étais proche de la nucléaire. Et à chaque fois je me faisais tuer par des lance-grenades avec danger rapproché. Enfin bref, tout, il y avait assez pour se faire assez pour rager. Et donc tout simplement, eh bien, ça m'a vraiment fait rager. Donc au final, je suis pas tenu sur MW3. Alors maintenant c'est un gameplay que je trouve assez sympathique. Alors je vais vous le proposer. Donc là je commente en after pour ceux qui ne le savent pas. Alors, avant toute chose, merci à toutes et à tous d'être 500 abonnés. 500 abonnés, c'est super cool. C'est vraiment, c'est déjà très très bien. Et ça ne cesse d'augmenter. Ça me fait vraiment plaisir que vous me souteniez. Et donc, je tenais vraiment à vous remercier. Et donc, voilà. Alors, maintenant, on continue comme d'habitude. Et ça fait juste une petite vidéo remerciement. Alors, pourquoi je vous propose ce gameplay-ci? Parce que c'est pas le meilleur gameplay du monde. Je vous le conçois. Donc, je joue avec la G36 silencieux. Mais je joue avec... je ne sais même plus avec qui je joue. Mais en tout cas, donc je l'ai récupéré du mode studio. Vous allez voir qu'en fait, c'est une tentative tentative Moab en assaut. Cette tentative n'était pas faite exprès. Hein. J'ai joué, puis au final, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Enfin, c'était... J'ai vu qu'au fur et à mesure que j'avançais dans les kills, je me fais « Oh là, je m'approche !» Alors, c'est l'occasion de débattre un petit peu, parce qu'on va débattre un petit peu de la communauté de Call of Duty. Alors, je ne suis pas là pour la critiquer, j'en fais partie. Donc, c'est de toute façon, c'est plutôt critiquer aussi un petit peu... c'est un peu critiquer aussi les gens qui ont mis ces armes un petit peu... armes qui ne seraient qu'un peu overcheatées. Alors, on va commencer, eh bien, vous allez voir que mon gameplay va commencer à s'enchaîner. Donc là, je suis déjà mon deuxième Predator, donc je fais quelques kills. Donc moi je joue avec drone, colis stratégique et Predator. Alors c'est assez pratique pour faire pas mal de kills. Si vous voulez remonter votre ratio, je vous conseille cette technique après bien évidemment. Moi je faisais ça parce que je trouve que j'avais pas trop envie d'y aller et qu'il strict trop. Donc là j'attendais mon colis. D'ailleurs j'ai un Cobra, c'est assez cool. Alors, donc vous allez voir que je vais tout faire petit à petit. Et ça va avancer et je vais vraiment être assez surpris de la façon dont comment ça va se passer. Donc cette tentative, je suis assez content de ce que j'ai fait. Parce que j'aurais pas pu faire mieux. Dans le sens où, voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Donc là, j'ai déjà ramassé une autre arme. Alors bien évidemment, le seul conseil que je devrais vous donner pour faire une Moab, même si je suis pas trop un spécialiste, c'est de ne pas trop stresser quand vous vous approchez de la Moab. Ouais, c'est un peu le conseil que je vous dis, parce que sinon c'est plutôt compliqué. Alors pour en revenir sur la communauté, c'était un petit peu déjà le fait que ceux qui utilisent le soutien. Alors le soutien, il est pratique, du moins les killstreaks en soutien, ils sont pratiques. Il y en a certains qui ne devraient pas y être. Alors je sais tout de suite que quand je vous dis ça, vous pensez déjà directement au bombardier furtif qui est quand même overcheaté, dans le sens où il est très très puissant, je trouve. Et vous l'avez très facilement. Je sais plus combien il faut faire de kills, j'ai entre 12 et 15, je crois que c'est 12. Et vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez, et puis boum, vous l'envoyez, et vous êtes sûr quasiment de faire des kills. Faut avouer que ce killstreak est quand même super puissant, donc il faut arrêter de déconner avec ça. Et donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis. C'est ça, et je trouve que c'est la bombe IEM. Il faut faire 18 kills, on peut mourir autant de fois qu'on veut, et je veux pas dire, mais quand on regardait sur MW2, il fallait faire 15 kills d'affilée et donc pour avoir la bombe IEM. Donc véritablement, il y a une grosse différence et elle est énorme. En plus, donc les bombes IEM en domination, parce que je l'ai pas dit, on joue en domination, mais on se les prend tout le temps et ça, je crois que personne ne peut le nier. Une bombe IEM, on s'en bouffe. D'ailleurs, je fais une triple au Predator. J'étais assez content au passage. Mais non, je disais, on se bouffe véritablement des bombes IEM tout le temps. Donc j'avançais vraiment pas mal hein, au niveau des kills. Donc là je reste pas mal dans le bâtiment de par le fait que j'ai trop peur de sortir. Parce qu'en fait les ennemis respawnent sur C et si j'ai pas envie de revenir en arrière parce que je sais bien qu'ils sont pas loin. Donc en plus je ne sais pas si je me suis déjà fait brouiller, mais il y a un drone de reconnaissance je crois qui m'a brouillé ou pas encore. Je crois que si. Si. Oui, je me suis fait remarquer par un drone de reconnaissance, ce qui fait qu'en fait j'ai assez peur de bouger.
Car tout simplement, le truc, c'est qu'il savait où je suis. Donc je ne connaissais pas du tout la durée, mais bon, là, j'en voyais 3. D'ailleurs, j'ai même pas fait une trip. Donc là, j'appelle. Ah oui, il y avait Weekend. Je lui dis, ah, Weekend, viens m'aider parce que j'y arriverai pas. D'ailleurs, après, je vais bouger de là parce que ça devenait trop tendu. Parce qu'au final, c'est assez compliqué de faire une moi bonne assaut hein, quand on regarde. Mais voilà, c'est plutôt compliqué. Mais après, à la limite, c'est pas très très important. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup changé d'arme hein, puisque j'avais pas pillard. Hein, donc, j'étais avec tour de passe-passe, bonne gâchette et tracker, je crois, de mémoire. Donc là, je vais bouger. Mais le problème d'assaut, c'est que quand vous êtes tout seul, vous êtes très souvent à court de munitions. Donc là, quelqu'un va se suicider pour moi, bien gentiment. Et il va me passer son arme en fait. Donc je vais lui piquer son arme, mais c'est bien sympa. Alors, cette mob, je vais la tester. Vous allez voir que je vais avoir un nombre, un bombardier furtif allié, mais que je n'excuse pas, qui tombe dessus. J'ai vraiment pas de chance parce que je me suis fait déjà remarquer par un drone de reconnaissance. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer après. Ça va être assez, assez perturbant. Donc vraiment, j'ai vraiment pas eu de chance de A à Z. Hein. Donc je trouve que j'aurais vraiment réussi à faire une map dans des conditions pas terribles, terribles. En plus, je sors la résistance. Bon, là, ma résistance, je l'ai mis. Hein. Donc j'aurais débloqué quelques prédateurs au passage. Mais donc voilà. Donc c'est vraiment les killstreaks en soutien. Ils sont assez chers. Mais voilà la bombe IEM que je parlais. Mais voilà, je vais devoir essayer de me démerder avec une bombe IEM pendant une minute. D'ailleurs, j'ai une idée, il m'a bouffé mon prédateur. Donc ça, c'était les soutiens. Donc il y en a 2-3 autres, mais... Véritablement, ceux-là sont les pires du pire. C'est un petit peu comme le mastodonte de soutien, il est quand même très puissant pour ce que c'est. Après, quand vous regardez le mastodonte d'attaque, il n'est pas spécialement plus puissant. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance qu'il y ait un bombardier furtif ennemi qui est passé à côté, mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de chance. Donc, après ça, Bignan, il faut en revenir un petit peu aux armes. Alors, là, je jouais avec la G36, donc j'ai ramassé une SR. Certains diront que la CR est cheatée. Moi, personnellement, j'irai peut-être pas jusque-là. C'est vrai que la CR est facile d'utilisation. Parce que, en fait, quand vous lui mettez le viseur laser, l'aide à la visée est assez facile à utiliser. De là dire qu'elle est cheatée, j'irai pas jusque-là. Après, chacun son avis. Pour moi, l'arme la plus cheatée reste l'FMG9 Akimbo. Et d'ailleurs, on ne l'aura pas trop croisé dans cette partie-ci, donc j'étais assez. Assez content. D'ailleurs, j'ai réussi à tenir la bombe IEM sans mourir, c'est assez cool. J'étais assez content. Donc, véritablement. L'FMG9 Akimbo est une arme que je trouve vraiment, vraiment trop cheatée. Qui one-shoot d'une force. Mais d'une force. Non, ça vraiment, c'est un peu trop exagéré. Malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Alors là, vous allez voir que je vais encore me faire marquer par un bombard. Un drone de reconnaissance. Bon, il va pas tarder à me marquer, mais. Il va pas tarder à me marquer, ça va pas tarder du tout. Mais j'avais mal au... Oh purée, j'ai failli m'étrangler. Non mais, véritablement cette arme là, il y a aussi la PP 90, soit la PP 90 qui avec son tir rapide, elle vous fait un massacre aussi. La MP7 qui est vraiment vraiment pas mal aussi, mais bon après je veux dire, comme je dis, je n'obligerai jamais personne à utiliser telle arme, vous avez acheté le jeu, vous jouez avec ce que vous voulez et c'est tout à fait normal. Après je reste quand même, je préfère quand même, moi je suis du genre à plutôt respecter cette communauté, et donc pas trop utiliser ces armes. Après bien évidemment je suis sûr qu'il y a des gens qui vont encore trouver un côté noob dans ma façon de jouer, c'est sûr que j'ai bien temporisé dans le bâtiment. Mais j'avais pas trop le choix à la limite. Puis rejouer aux FMG9 Akimbo, ça y a toujours le choix. Mais ça, je veux dire, je parle pas encore de la façon de jouer, c'est encore un autre débat. Donc voilà, tout simplement. Alors là, donc je suis encore à court de munitions, donc c'est assez tendu. Donc on va encore se suicider pour moi, ça va être super cool. Hop, il s'est resuicidé. Et hop, je ramasse les munitions. Mais là, vous avez vu que le temps se rapproche, donc je deviens assez tendu. Donc c'est vraiment compliqué. Est-ce que j'arrive bientôt de la fin, donc je me dis bon, je lance mon colis. Et donc voilà, donc la communauté, c'est un petit peu, laissez un petit peu qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc véritablement, laissez un petit peu votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont pour vous les armes cheatées? Pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que le bombardier furtif et la bombe UM sont trop faciles et donc non, ne sont pas cheatées, mais sont, dirons-nous, plutôt faciles à avoir? Trop faciles, donc c'est vraiment beaucoup trop facile. Et eh bien, je serais curieux de voir un petit peu vos avis. Alors, là, on va bientôt se rapprocher de la fin.
Et donc vous allez voir ce qu'il va se passer. Et j'espère que vous allez me rejoindre là. Et je crois que on va, je crois que là vous allez être d'accord. Donc là je rush, véritablement je rush, parce que je suis pas loin de la fin et je me dis il faut que j'y aille. Je vais être un petit peu trop rusher. Un petit peu trop rusher, mais malheureusement, je n'avais pas trop le choix. Et là, c'était ma plus grosse erreur. Vous allez voir ce qui va se passer. Plus grosse erreur, je ne sais pas, ça dépend pour vous. Mais regardez ça. Je ramasse encore une arme. Donc voilà, je me mets là. Je lui tire dessus. Si je m'étais pas fait flasher, j'aurais une chance de survivre. Et regardez bien ce qui va se passer. Et là, c'est le drame. Boum! Bombardier furtif. Et j'étais à 23 ou 24 kills. Et à moi, je la faisais à 25 kills. Donc là, j'étais très énervé sur Skype. Parce que je me suis fait tuer par un mec qui ne sait pas vraiment jouer. Il a fait, voilà, 12 kills une fois où il est mort en 3 fois. Et puis il s'est dit, bon, je lance ce truc. Et voilà. Donc, j'avais vraiment un moment de rage. Je vous avoue que j'étais vraiment en mode rage. Il faut. Et là, on se prend une deuxième bombe IEM. Donc, c'était la fête. Donc, j'espère que vous comprendrez que c'est le bombardier furtif, c'était bien pour vous démontrer que la communauté qui utilise ça, pour moi, ça, c'est noob. Ça, c'est le truc le plus noob du monde. C'est le bombardier furtif. Ce sont des kills non mérités. Et pour moi, ce qu'il vient de me faire, c'était un petit peu. Ouais, c'était la chute. J'étais super déçu. En attendant, les amis. On était là donc pour débattre un petit peu de ça. Après, bien évidemment, vous jouez pas, c'est à vous de voir. Et je vous remercie à toutes et à tous d'être 500 abonnés. Le tirage au sort est déjà théoriquement uploadé sur ma chaîne, où oui, il est déjà uploadé. Et merci à tous. Et on se retrouve eh bien pour d'autres vidéos et pour un autre concours aussi. Ça va pas tarder. En tout cas, merci les amis et prenez soin de vous. Ciao, ciao et plus plus.